Allez, on continue, on lâche les avant. Et on accélère. Allez, on accélère, encore. Ouais. T'aurais pu faire un petit effort de plus, c'était pas mal. Il y a un problème de frein dans l'accélérateur. La main gauche. Ouais, je l'avais vu. Ok, on va continuer sur cette trajectoire, un petit peu sur ta gauche. Là, tu regarderas ta main gauche. T'as un petit problème là, peut-être, de... On va repartir un peu sur la droite, maintenant, légèrement. Voilà. On peut faire des petits appuis dans la sellette en bougeant le corps, hein, du côté où on veut tourner. Voilà, super. Vas-y, lâche tes avant, un peu de frein et on accélère. Allez, accélère, Clément. Allez, encore. Très bien, super. Parfait. Allez, bonne accélération sur la fin, là, on va aller sur la gauche tout de suite. Allez, en tirant un peu sur la poignée à gauche. Et en relevant la main droite. Allez, encore. Encore sur ta gauche. On va prendre le premier plan de vol. Hein. Voilà, celui qui longe le ruisseau là-bas. Alors Clément, Philippe, tu verras, il a, je pense que c'est la même que la dernière fois. Une toute petite clé sur les freins, mais bon, c'est insignifiant. Donc Clément, ben, on se met sur l'axe là du chemin. On va survoler les arbres et je te laisse avec Philippe. Encore un peu. Allez, on y va. On court. Super. Ouais, on a frotté un petit peu la sortie du décollage, mais c'était bien. C'est bien engagé dans la course, on y a cru, ça l'a fait. Sans vent, c'est pas mal. Et bien écoute, on va aller partir un petit peu là-bas en direction de notre repère, là, le chemin, les arbres. Et puis je te laisse avec Philippe. On lâche les avant et on accélère. Allez, on y va, encore. Super. Allez, tu peux t'installer là, relever les genoux. Voilà, prendre appui sur les élévateurs s'il y a besoin. Relève plus vers la figure, tu peux te pencher un petit peu en arrière là, si tu veux. Voilà. Tu m'as l'air d'être pas trop mal assis. Pour le moment, on va rester comme ça, on va aller un peu sur la gauche, en direction du ruisseau. Allez, sur ta gauche. On tire sur la poignée à gauche, on relève la main droite et on se penche à gauche. Voilà, du côté où on tourne. Et on regarde aussi du côté où on tourne. Voilà, donc on va essayer de suivre la haie d'arbre. Voilà, on va revenir légèrement sur la droite. Voilà, parfait. Et je vais te laisser avec Philippe. Yeah. Ok, ça marche, bon là j'y vais.